Good morgen, allez, idem, tu seras aujourd'hui le schmat François Régis Ben Hanna, j'ai une rue de battre entre nos alphines, que l'on m'en shalom et chaya ben Nenda. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions un secret brachot perek dalet, Mishnah Zain. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, en tfilat mousafin ela bechever ir, la chachamim omrim bechever ir, vechelo bechever ir. Rabbi Yehuda Omer, mishmo, kol makom shesh, chever ir, ayachid patur mitefilat amousafin. On traduit directement, on va parler cette fois-ci de la tfila du Moussaf. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Rabbi Elazar ben Azaria nous dit, En tfila ta Moussafin ala bechever ir. Il n'y a de tfilat Moussaf uniquement si on est bechever ir en groupe, c'est-à-dire avec 10 personnes. Selon Rabbi Elazar ben Azaria, le chiouf de prier la tfila de Moussaf, ouais, chaque fois qu'il y a Moussaf, quand c'est à Rosh Chodesh, quand c'est à Shabbat, alors, c'est que si on est 10 personnes. Mais si on est tout seul chez soi à la maison, c'est Rosh Kodesh, on n'a pas de devoir de prier, selon les hommes de Nazaria. Non, ça change rien. Qu'il y ait un regroupement de 10 personnes, que tu sois tout seul chez toi, tu fais la tfila de Moussaf. Et on a Rabbi Yehuda Omer, Mishmo, et Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rabbi Elazar ben Nazaria que c'est pas systématique que s'il n'y a pas de tzibour, tu ne pries pas Moussaf. Mais c'est plutôt comme ça. Tout endroit où il y a un regroupement de 10 personnes, alors l'individuel, celui qui est tout seul, n'aura pas besoin de faire le moussaf. J'explique de quoi, quel est le principe. En général, on a déjà évoqué depuis le début du chapitre que les tfilot keneged korbanot nitkenu, keneged tmidin nitkenu, plus précisément. Il y a un rapport direct entre la tfila et le fait qu'on a porté des korbanot au Beth Amikdash. Aujourd'hui, on appelle les korbanot, on fait au moins la tfila. C'est le même principe, c'est un principe de ul ofdo bechol levachem ou bechol levachem, servir Hachem. Autant que quand on fait un korban, on égorge un animal en sentant qu'on est nous-mêmes égorgés, on jette le sang de l'animal comme si on était nous-mêmes, notre sang était aspergé sur le misbéar, en l'honneur d'Hachem. Alors le principe de la tfila, c'est de nouveau sentir qu'on est tout petit devant Hachem et qu'on est entièrement dépendant de lui. C'est le même esprit, la tfila. La tfila marche avec les korbanot. Depuis l'abolition, depuis qu'il y avait les korbanot, il y a des soutiens du Beth Amikdash. Alors, le monde, il est à Olam Omed al Torah, Avoda, au Gmilut Rassadim. Torah, c'est l'étude de la Torah. Gmilut Rassadim, c'est des sons prochains. Mais c'est quoi Avoda? Il n'y a plus d'Avoda, il n'y a plus de service au Beth Amikdash. Il y a oui en service, c'est faire la tfila tous les jours. Faire une tfila, ça implique, donc, c'est se sentir asservi, soumis à Hachem. C'est le principe de la tfila en rapport avec les korbanot. On avait évoqué depuis le début du chapitre donc qu'il y a trois zmanim des korbanot, le korban tamid du matin, le korban tamid de l'après-midi, et le fait de brûler les chalavim, evarim et chalavim la nuit. D'accord? Et en rapport avec ça, on a shachrit, mincha et arvit. On avait évoqué le parallèle. Maintenant, il y a quelque chose de particulier dans la tfila, c'est qu'en plus de faire une tfila au moment des korbanot, tu dois aussi prier Hachem qui t'aide et qui réussisse tous tes besoins, qui réussisse toutes tes œuvres. D'accord? C'est le principe de la tfila. Du coup, n'importe quel individuel, personne, d'accord, a le devoir de faire sa tfila, de demander ses besoins. Maintenant, il y a une tfila particulière qui a été instaurée directement en rapport avec les korbanot uniquement, qui est donc le korban moussaf. C'est quoi le korban moussaf? C'est chaque fois que, dans les jours saints, ça peut être au Chodesh, Shabbat, Chagim, Chol HaMoed, on a tous le devoir, au Beth Amikdash d'apporter un korban. En rapport avec ce devoir qu'il fallait apporter, avec ce korban qu'il fallait apporter au Beth Amikdash, avec ce korban qu'il fallait apporter au Beth Amikdash, alors, Chachamim m'a instauré de faire une tfila supplémentaire. Mais cette tfila, elle est directement liée au korbanot. Du coup, autant que le korban, il fallait l'apporter en public, ce n'était pas chaque individuel qui apportait un korban au Rosh Chodesh, c'était toute la Israël qui apportait un korban. Alors, selon le même principe, Rabbi Elazar ben Azaria nous dit, la tfilat de Moussafin, c'est que si vous êtes 10, comme si vous êtes un tzibour, vous représentez tout Israël, alors on a le devoir de faire une tfilat. Mais un individuel, un yachid, il ne pourra pas apporter, comme un individuel ne peut pas apporter le korban moussaf, eh bien, on ne fera pas de tfilat moussaf en individuel, quand on est tout seul, en solitaire. D'accord? Ça, c'est la vie de Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbim nous dit non. C'est vrai que ça démarre à cause d'un korban public. Mais concrètement, aujourd'hui, on traduit ça
en devoir personnel, individuel, de chacun de faire une tfila. Et sur ça, Rabbi Yehuda vient me dire, tu sais quoi, viens, on va faire un compromis. Si on est dans une ville, dans un quartier, où il y a un public qui prie, qui fait le moussaf, alors viens, on va faire, c'est comme si c'est le public, c'est tout l'homme Israël qui est en train d'apporter le korban. Mais s'il n'y a personne qui fait la tfila, tu es tout seul, dans ce cas-là, tu feras toi ta tfila, ta moussafim, individuellement. D'accord? Bien sûr, la halakha est établie comme chachamim, on a tous le devoir de faire la tfila moussaf, même quand on est en solitaire. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, kol tov, selah.